Yo, 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 les bros, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc, comment avoir son Madryu, le Madryu gratuit. Donc, Maddy, on rappelle le personnage qu'on nous donne au début du jeu qui est super fort. Un super Kerry, donc Kerry qui fait des dégâts, donc super, super fort. On vous le donne dès le début. Donc, voilà, le Madryu. Vous l'avez tous normalement si vous avez commencé le jeu, puisque le jeu, pour une fois, a été agréable. Donc, voilà. Donc, vous allez pouvoir récupérer votre premier Madryu. Moi, le mien, il est là. Voilà. Gratuitement, pour pouvoir le fusionner, l'évoluer. Et non seulement vous récupérez un entier, mais vous gagnez également, en fait, des petits 25 shards en plus. Donc, je pense qu'on va nous donner par la suite encore des shards pour pouvoir l'améliorer. Donc, c'est très, très bon, ça. Et on prend. Donc, voilà. Petite vidéo très sympathique. Donc, ça se passe en opération globale. Donc, pour ceux qui ont déjà avancé, voilà, va falloir avancer sur les autres. Sur la chaîne, il y a des vidéos déjà où on a commencé les opérations globales. Donc, voilà, l'étape de la glace, c'est pas compliqué non plus. Mais si vous bloquez, n'hésitez pas à le dire en commentaire et je ferai la vidéo sur ceux qui bloquent sur la glace. Donc, en ce qui concerne le labyrinthe. Donc, voilà, merci Jill, je vais expliquer. Merci Chun-Li. Non, non, voilà, t'as qu'à ouvrir ta chaîne YouTube. Alors, pour ce qui concerne cette étape, il ne faut pas revenir. C'est un peu comme on avait vu pour les carrés verts où vous ne pouvez pas revenir dessus. Voilà. Donc, vous faites le chemin et vous ne devez pas revenir sur votre position. Sinon, ça annule en fait tout simplement. Voilà. Et en fait, vous allez avoir un blocage. Le petit volcan qui a disparu, en fait, il ne va pas disparaître. Et du coup, vous serez bloqué. Enfin, vous ne pourrez pas récupérer votre récompense. Vous pourrez continuer à avancer. Mais si vous retournez, vous foirez le labyrinthe, ça bloque la récompense. Voilà, ça fait un vide. Ça fait un vide dans le chemin. Et c'est comme si le chemin, vous étiez bloqué. Ok, donc on va affronter les petits. Donc ça, ce sera sûrement mis en accéléré ou je ne sais pas encore. Mais bon, les combats sont pas importants. Vous allez les faire de votre côté. Aujourd'hui, ce qu'on va voir rapidement pour ne pas perdre trop de temps sur la vidéo surtout, ce sont les chemins. Ok, donc très important. Donc on va récupérer le vol de vie ici. On s'en bat les couilles. Ok, donc du coup, on récupère, voilà, vous voyez le petit chemin. Donc, filez pas tout droit, c'est pas du Fast and Furious. Non, voilà, essayez de vraiment remplir toutes les cases sans pour autant revenir sous vos cases. Et vous voyez que le petit volcan ici a disparu, ça a ouvert le chemin. Si vous suivez pas le schéma, là où je suis, il y aura un trou et vous pouvez pas aller récupérer votre Madryu qui vous attend. Ici, là, ici, donc dès le début. Donc ça, c'est très très bon, on nous le donne dès le début. Donc voilà, pour tous ceux qui voulaient Madryu, c'est fini. Vous avez pu avoir, d'après moi, les shards. Donc c'est très bien parce qu'on nous le donne très tôt. Ce qui fait qu'on peut le récupérer, l'évoluer, votre personnage. Et pouvoir après monter en puissance et pouvoir finir le niveau après en fait. Donc ça, c'est très cool. Puisque, voilà, si vous n'avez pas un Madryu peut-être élevé déjà, ça permet de l'avoir très tôt, donc ça c'est plutôt bien que d'attendre à la fin du boss pour l'avoir. Pour ceux qui veulent continuer à rester, on va aller jusqu'au bout, on va faire tout le labyrinthe pour pouvoir récupérer un max de ressources. Donc voilà, je ne fais pas tous les boss, mais vous bien sûr, vous allez faire tous les boss parce que au max vous récupérez voilà, ses capacités. Au max vous pouvez en fait ensuite faire soit plus de dégâts, soit être plus tanky, etc. Donc on est sur le deuxième. Step 2, donc sur le deuxième, pas très compliqué non plus, donc on suit, donc foncez jamais tout droit, hein. Il n'y a jamais de solution en fonçant de là à là tout droit, vous bitez les chances et le petit volcan là, il va rester bloqué tout simplement. Ok, donc on continue, donc voilà, là simplement, je viens récupérer tous mes morceaux, donc voilà, vous pouvez regarder la vidéo encore et encore, mais là c'est assez simple, qu'on va prendre le chemin le plus costaud tout à l'heure. Donc tout à l'heure on nous a donné une sorte de grande map à faire. Voilà. Donc voilà, on fait notre petit chemin tranquillement. Et on a pu, voilà, déverrouiller le step 2. Là, le volcan a disparu. Vous récupérez vos récompenses. Miam miam. Merci Sky. Et voilà. Là, vous détruisez les casernes. Vous récupérez votre récompense sur votre droite. Pareil. Nous, on va détruire la caserne du mid. Pour pouvoir, voilà. Dites-moi en commentaire justement où vous en êtes vous. Si vous êtes bloqué quelque part, en stage. Si ça se passe bien pour vous, les invocations, comme vous savez, le drama sur un petit peu Street Fighter Alpha, enfin Duel, très très bon jeu, mais voilà, suspicion et avération de scriptage, donc voilà, c'est dommage.
On verra pour vidéo pour Akuma. Donc vidéo, je voulais dire, qui est sortie sur la chaîne, pour ceux que ça intéresse. Voilà, on verra si ce sera scripté ou si ce sera tout simplement avec nos gemmes qu'on a récupéré. Donc dis-moi un peu, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Ok, on va passer au deuxième, les bros. Donc le deuxième, donc un peu plus difficile. De toute manière, ça monte en crescendo, hein, je vous l'ai dit. Donc le début, on nous laisse le temps de vraiment bien nous adapter. Et ensuite, voilà. Donc pour le deuxième, on part tout à droite. Tout à droite. Donc il n'y en a aucun où vous foncez au milieu directement, les bros. Ensuite, on remonte. Voilà, tout simplement. Ensuite, on va chercher la deuxième roche qui est là. Voilà. Pour pouvoir revenir, voilà. Récupérer tous nos carreaux. Voilà. Et comme ça, on a récupéré toute notre partie de droite. Ok, une fois on fait ça, on file pas à gauche. On remonte. Voilà, on remonte. Et du coup, là, on va aller récupérer notre partie de gauche. Voilà, on récupère notre partie de gauche. Voilà. Là, on revient vers le début. Et là, on va tout à gauche. Et là, vous avez vu déjà le schéma qui se trace. Et c'est dommage qu'on ne peut pas faire comme la glace. Aller directement. Alors, j'ai oublié de faire casse par casse. Ça me dit impossible. Si je sélectionne, il ne va pas aller directement. Voilà, j'ai oublié de recliquer. Et voilà. Donc voilà les bros, vous avez débloqué le step 3 du labyrinthe. Donc là, on va faire le petit combat. Et on va passer à la dernière étape. Ok, je vous ai évité le combat, voilà, qu'on en a rien à faire. Et là, on arrive sous le dernier les bros, voilà. Une assez grande map, voilà, qui peut effrayer. Si vous vous trompez en plus, vous devez tout recommencer, etc. Et ça débloque les deux volcans pour pouvoir accéder aux deux coffres et finir vos récompenses. Donc let's go. Pour celui-là, on part. Donc faudra bien regarder les bros. On part à droite. Non, à gauche. On part à gauche. Tac. Ok, on part à gauche. Donc toujours première case. Là, on va partir à gauche. Ok. Donc full gauche. Ok. Donc là, on va venir faire un zigzag. Donc pour récupérer nos éléments, voilà. On récupère le zigzag. Donc on vient pas continuer tout droit. On vient couper dès là pour venir récupérer cette partie là, ça. Donc il faut que je fasse attention quand je clique. Donc voilà, je viens récupérer cette partie là, ça. Donc je fais en avance pour voir si c'est bien ça. Ok, voilà. Donc c'est ça. Je viens récupérer en avance. Voilà. Voilà. Parce que si je me trompe, je vais devoir tout recommencer. Et c'est pas amusant. Donc voilà, donc du coup je viens récupérer. Donc là, zigzag encore, tech. Ok, donc j'ai dit quoi, tech. Ok, donc je récupère, voilà, devant. Donc pensez bien à faire et à bien regarder aussi, parce que sinon vous devez tout recommencer. Donc voilà, prenez votre temps pour voir. Voilà, donc là j'ai fait le zigzag. Donc je continue. Donc là je vais monter. Ok, je récupère, je monte. Donc je ne fais pas de zigzag tout de suite, je monte. Voilà. Donc là, je vais monter là. Je vais faire ça. Ok. Donc là, je monte sur celui-là. En face de la roche, je tourne. Ok. Donc c'est très délicat quand même. Donc suivez bien. Voilà, je ne remonte pas là parce que j'aurais besoin de ce passage-là, ça, pour pouvoir en fait revenir là et là. Ok. Donc je reviens là. Sur mon point de départ, on fait vers mon point de départ, tech. Ok, là, et là, je vais faire ça et ça. Ok, donc ça, ça, et je reviens sur mon point de départ. Enfin, je passe. Et là, je vais tout à droite. Yes, là, on est presque bon, les bros. On est presque bon. Donc, j'espère que vous avez suivi. On a déjà fait la moitié. Ok. Donc, une fois arrivé là, on continue. Hein. Vous allez tout en haut. Yes. Donc là, vous revenez en zigzag. Donc, tech. Ok. Je fais toujours un petit peu en avance visuellement pour ne pas me tromper.
Donc voilà, là c'est sûr, il n'y a pas d'autre chemin possible. Ok, donc là je reviens et vous voyez qu'on a déjà presque terminé. Voilà, le schéma s'ouvre sous nous, tac, 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 ok. Donc là, il n'y a pas de risque, je me trompe normalement, mis à part si il me troll, voilà. On revient au début, donc voilà les bros, on est là. Yes. Et on a presque fini. Là, vous remontez, bien évidemment. Voilà. Vous remontez. Attention, ne pas couper là parce que sinon, c'est foutu. On remonte bien tout en haut. Et là, on va faire... Voilà. Donc, tac, 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 tac. C'est ça. Donc, voilà, on fait ça. On fait les petits rectangles, les petits carrés, je veux dire. Voilà, carré, carré. Voilà. Et là, vous avez terminé. Et vous avez déverrouillé les deux volcans qui vous bloquaient pour aller faire votre boss, récupérer votre coffre, faire votre boss et récupérer votre coffre. Voilà les bros, on a terminé avec ce tuto. Donc vous faites les boss, vous récupérez vos récompenses et merci Sky. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a aidé. On ne sera pas plus long sur cette vidéo, hein, c'était juste une vidéo pour vous aider à récupérer votre premier ou enfin votre Madi, votre Mario. Nous on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo de Street Fighter Duel et ciao, boum.